Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous, autour d'Elite donc. Ça fait un mois et demi que je voulais poster une vidéo, mais j'ai eu des gros soucis de matériel en fait, pour la faire très très courte, hein, parce que c'est assez pénible. On va dire qu'il y a une incompatibilité entre ma carte graphique, la GTX 980 et Elite. Ça crée des instabilités du pilote d'affichage, et le problème a été réglé en mettant une vieille carte, une 670 Ti. Alors c'est un petit peu moins beau, moins fluide, mais au moins je peux jouer en attendant de trouver une solution plus définitive et de pouvoir utiliser cette carte qui est quand même... assez bonne et dont je peux pas profiter. Bref. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je suis toujours avec mon Vulture qui est fitté. Là, je peux pas vous le montrer, mais en gros, j'ai un rayon laser C3, donc en continu, non gimbaled fixe, et également un canon gimbaled qui pour les dégâts cinétiques. Attendez, on va juste regarder ça maintenant. Je crois qu'on peut faire, voilà, on va faire comme ça dans les groupes d'armes, ça sera plus clair. Pour le reste, j'ai le détecteur d'avis de recherche toujours, si on fait un peu d'anarchique, le lanceur de paillettes et les cellules d'énergie, dont j'ai de plus en plus de peine à me passer, surtout pour se faire de l'anaconda, c'est souvent assez pratique. Alors j'ai dû mettre un récupérateur de carburant aussi, parce que la capacité du Vulture en termes de carburant est vraiment assez ridicule. Et dès qu'on doit faire des trajets un peu plus longs, c'est saoulant d'aller se docker, donc un petit récupérateur de carburant, voilà. Mais le fait est que je dépasse du coup la consommation d'énergie s'il est enclenché. Voilà, je suis à 101%, donc je l'enclenche uniquement pendant les trajets, parce que si je sors mes lasers et que tout se déconnecte, c'est un peu embêtant en pleine zone de conflit. Zone de conflit, c'est d'ailleurs là où on va aller, parce que ici... J'ai deux objectifs communautaires que j'ai un petit peu de la peine à remplir, je suis pas tout à fait sûr de ce qu'on attend de moi. Là j'ai pris une mission, traquer zone de guerre pour le compte des indépendants d'Aliot. Et théoriquement, si je leur remplis des contrats de mission, je vais pouvoir augmenter mes revenus au niveau de l'objectif communautaire. Là je suis à 24 000 crédits gagnés, c'est ridicule. J'aurai une récompense de 50 000 crédits avec une récompense globale, tandis que si je suis dans les 70% meilleurs, ça fait déjà 1,2 million, et voyez jusqu'où ça peut monter. Alors je sais pas si c'est rentable ce que je vais faire, je sais même pas si c'est juste, si des gens ont un peu mieux compris, expliquez-moi, ça serait cool. Et puis là il y a aussi les Sobek Boys dans le système de Sobek qu'il faudrait exterminer, et tous ces objectifs communautaires s'inscrivent en fait dans le cadre de la visite du président fédéral, Yasmina... Comment elle s'appelle déjà? Attendez voir. Le président Halsey. Yasmina Halsey. Donc il va visiter une colonie de l'Alliance. Enfin non, de la Fédération, pardon. Qui est au sein du système de l'Alliance. C'est Ursa Majoris 78. Voilà, ici. Donc si je mets les allégeances, Ursa Majoris, elle appartient ici à la Fédération, puis là on a tous les systèmes de l'Alliance, dont Aliot d'ailleurs, qui est pas très loin, qui est la capitale de l'Alliance. Où est Aliot? Elle doit être dans le coin, bref. Donc je me suis déplacé dans cette zone pour essayer d'accomplir des objectifs communautaires, et j'ai dû me taper combien, 135 000 secondes lumière pour arriver à l'installation Robinson, où j'ai pris encore des contrats pour améliorer ma rentabilité en zone de guerre. Et puis on va décoller maintenant pour aller trouver la zone de conflit qui se trouve là à côté. Je vais vous montrer la carte du système Rapidos dès qu'on est sorti de la station. Alors je me suis mis en monde solo parce que l'autre jour j'ai joué un peu et il y a tellement de monde dans le coin que j'arrive jamais à me docker, c'est insupportable. Donc quand je serai en wing en plus, parce qu'il y a des gens qui sont... Il y en a beaucoup qui sont wing et qui font des crasses pour rester poli. Donc tout seul comme ça, je dois dire que j'ai pas tellement envie de me faire victimiser tout de suite après pratiquement un mois et demi sans avoir joué beaucoup, voire pas du tout. Donc la carte du système... Pour qu'on se repère un peu, donc système triple avec une laine blanche,
Ici, nous on a Robinson. Non, ça c'est Wilder Survey. Robinson Installation, pardon. Faction dirigeante, Accord indépendant. Ça fait partie de l'Alliance. 134 000 secondes lumière. Il m'a fallu une dizaine de minutes depuis le point d'arrivée au niveau des étoiles. Un petit peu saoulant. Enfin bref, c'est comme ça. Ici, on a quoi encore? L'Alliance. Et tout ça est, comme vous le voyez là, en guerre. Alors, la zone de conflit, recherche des armes, zone de conflit forte intensité, il y a des sites d'extraction de ressources, ok, on va aller voir ça. Cannot comply. Ah oui, forcément. Landing gear retracted. Frame shift drive charging. Et c'est parti. 4, 3, Alors 2, donc, il y a 1, bientôt la mise à engage. jour PowerPlay qui arrive, mise à jour ou patch ou extension, je sais pas exactement comment il faut appeler ça. Le fait est que ça s'annonce assez riche. Hein. Le truc, c'est que ça devait sortir le 20 mai. Là, quand je vous parle, on est le 17 mai. Dans la toute dernière newsletter, on nous informe que ça sera repoussé d'une semaine. Évidemment, pour peaufiner le truc, parce que ça a l'air de bugger un petit peu. Et ce qui sera introduit notamment dans dans ce patch, ce sont les interactions entre les factions beaucoup plus détaillées. Les joueurs auront, paraît-il, beaucoup plus d'influence là-dessus, dans l'émergence de factions, dans les actions qu'on a. Donc, avec un système beaucoup plus clair, parce que pour être franc avec vous, là, quand je regarde, ma réputation, je suis allié avec tout le monde, j'ai des grades un peu partout. Les factions secondaires, en fonction des missions, ça monte, ça descend, je suis pas vraiment sûr de comprendre à quoi ça sert. Bah là, visiblement, il y aura des avantages, ça sera beaucoup plus clair. Il y a notamment aussi les drones qui sont prévus pour le minage, mais aussi pour visiblement aborder des vaisseaux, percer leur coque, enfin bref, faire du pirate la piraterie. Ça m'intéresse un petit peu plus, donc à voir. En attendant, on va essayer de voir si on n'est pas trop rouillé. En zone de conflit forte intensité. Je sais pas quelle faction je vais prendre, d'ailleurs j'en ai absolument aucune idée. Allez. Bon, j'ai mis le jeu en graphisme maximo, ça va encore là. Par contre, quand il y a beaucoup de monde, et ça je pense que c'est pas dû à la configuration, ça saccade beaucoup. Ça j'ai lu sur les différents forums que les gens s'en plaignent pas mal. Là, c'est pas le problème, comme je suis en monde solo, tel le gros noob. Mais beaucoup trop vite. On va faire une boucle dans ce sens plutôt que de se prendre les anneaux. Alors, je suis désolé pour les bruits du hotas, hein. C'est un petit peu difficile de complètement les annuler. On peut bourriner un petit peu plus. Et on est dans la partie. Ouf, oula, j'espère que je ne vais pas prendre trop cher. Alors, je suis allié avec tout le monde. Les indépendants ou le public group? Allez, hop. Il y a beaucoup d'ennemis, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du piton, rien que ça. À 100%, à 2 km, juste à côté. Il est là. Pitounet. Sous-système. Générateur, évidemment. Et pas se mettre juste devant lui. Un petit coup de boost. Voilà, il m'a Under une attack. chope. Bon, bah c'est parti. Voilà, j'aime bien le laser continu, c'est quand même assez puissant. Un seul, ça consomme pas trop d'énergie, mais évidemment c'est moins efficace. Ça fait le taf. Par contre, lui, il a des bons bobos, hein. Purée. Ouh là, j'ai trop vite. Je vais me prendre. Non. Un petit coup de Friedrich en marche arrière. Comme au bon vieux temps. Allez.
Ça tape. Under attack. Ah, il y en a un autre qui se met à me canarder. Allez, pitounet. Plus qu'une couche de bouclier. Là, je suis pas seul à le bourriner non plus, j'ai l'impression. Voilà. On lui envoie des cacahuètes. Voilà. Générateur, il est encore full. On le booste. Under attack. Ouais. Je me concentre un peu, là je loupe toutes mes pétolettes. Encore loupé. Pas trop vite, si je reste dans cet angle là, ça va, je prends pas trop. Là, je lui ai envoyé quand même là des bons dégâts cinétiques. Il est à 50%. Alors, on va essayer de se remettre derrière. Voilà, c'est bien ça. 20%. Là, j'arrive pas à lui taper le gène. Allez. Ah oui, là je l'ai eu, c'était beau. Attention, on va pas se le prendre, ça va vite là. 1%, oh là la merde, je vais me le... Allez. Boost. Allez. Là, il y a un autre. Oh, comme il s'est échappé, ce salaud. Voilà, oui. Et tout ça pour 26 000. Et on va essayer de se faire du Viper. Là, ils sont en train d'entourer. Ils sont à 3-4 contre 1. Regardez, un petit coup dans les moteurs. Ils sont à 6 kills. On y va. Ah, j'aime bien la musique. Elle fait une bonne petite ambiance. Allez, les cocos. On va se faire ce Cobra. Voilà. Ça fait le taf hein, pour ces petits vaisseaux. Un seul laser, le bouclier. Alors, les lasers à impulsion sont visiblement beaucoup plus efficaces. Gimbald. Faudra que j'essaye, mais j'aime bien cette combinaison de deux armes. Ça varie un petit peu. J'ai pas fait très très mal encore. Par contre, la visette, là, il y a de la... il y a de la marge de progression. Hein. Under attack. Ah, les cobras, ça va vite quand même. Le vulture, c'est son point faible. Il n'est pas trop trop rapide. Hein. Maniable, mais pas super rapide. Ah, il me distance facilement. Hein. Ah, il a remis les boucliers. Oula. Il y en a un autre qui me tire dessus, mais ça va. On va mettre un peu plus dans les moteurs. Il y a du monde là, il va falloir éviter de s'en prendre un ou deux. Donc ça, je vais aller trop vite. 12%, on y est presque, tranquille, on s'énerve pas. C'est qu'un cobra. Voilà. Alors, petit Viper. On va essayer de nettoyer la petite zone. Ah, ils sont quand même nombreux.
Under attack. Ah ouais, je lui ai seulement fait une couche de bouclier. Allez, un peu de paillettes, il y a l'autre qui me chasse derrière. Voilà, là je suis quasiment descendu les boubous. Ça bouge bien, Viper aussi. Avec un seul laser fixe. Ça le part. Allez, on va se rapprocher. On booste le moteur. Bon. Target shields offline. Voilà. Assez joli le décor derrière là, comme ça, avec les anneaux. Allez, ah, c'est crispant. Vas-y, mec. Ah non, je croyais que je l'ai. Oui, je l'ai eu. Hein. J'ai dû lui bousiller son générateur là. Eagle. C'est le plus proche des ennemis, visiblement. Là, il y en a un autre. Encore un Viper. Ouh, il y a un Python qui est en train d'agoniser là. Est-ce que j'arrive à lui prendre vite les gènes? Paillette. Est-ce qu'il va pas tarder à me tomber dessus, je sens. Voilà. Oh, il parle, le petit coquin. Non. Allez. Je l'ai chopé, je l'ai... Oui, je l'ai vautouré. Ah, j'ai atteint un objectif. Ok. Bah c'est... Ah oui, c'était une mission que j'avais fait. Traquer les zones de guerre, il faut que j'en... cible éliminée 4 et encore 5, ouais. Encore 5. Bon, bah alors allons-y. Bon, bah il y a de nouveau Stiegel. Allez, à fond les moteurs. Oh, ils sont en train de faire chier un de nos pitons. Allez, laisse papa tranquille. Allez, mon petit Eagle, c'est du chips, normalement. Target shields offline. Ah, je l'ai juste loupé. Ah, je suis en train de rayer la carrosserie comme il faut, à coup de laser. Ouh, c'est passé à ras. Bon, et ouais, une cacahuète comme ça, Nigel, ça supporte pas trop. Viper, Viper. Piton. Oh merde, il est déjà mort. Dommage. Il y a de l'anaconda. Allez. Comme d'hab. Voilà, c'est parti. Under attack. Target shields offline. Ouais. Ouais. C'est bon, on est pas mal dessus en plus.
Ouais, je lui ai rien fait au générateur. Je crois qu'il est juste sur le dos, l'anaconda. Ah, j'arrive pas à le viser. Ah, je vais prendre. Là, il a Under pris attack. juste 2%. Même si la coque, elle est déjà à 80. Ouh, le sale coup de boost que je lui ai mis. Oh, je l'ai touché. Bon, faut dire qu'il n'y a pas trop de mérite sur un anaconda. Hein. C'est pas du petit vaisseau. Je me demande ce que c'est de piloter un truc comme ça, quoi. J'ai pas pu les essayer dans les différentes bêtas. Ça doit être quand même assez lent. Mais je trouve qu'il Under bouge bien des attack. fois. Ça doit dépendre comment il est fité, évidemment. Hop, 50%. Ouais, c'est clair que à ce rythme-là, je vais remplir moins vite mes objectifs, mais bon, c'est plus sympa de se faire d'anaconda. Oula! Tant que c'est pas l'anaconda qui nous vit. Alors, j'ai eu 2-3 mauvaises surprises. Il fait pas trop mal pour l'instant. Même pas beaucoup mal du tout. Ouais, le Vulture, c'est quand même un petit tank hein, aussi, avec ses bons boucliers. Ouf! Je lui ai niflé l'arrière-train là, à nanar. Quoi, mode de vie déactif? Ah! Il se venge. Non, ça va. Ouh! Pour ça. Ah ouais, là je me suis pris là. Ouh, il m'a rayé le bouclier. Juste une couche. Allez, on va balancer quelques paillettes pour la forme. Oh le salaud, il se casse. Non, 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 reviens là. Il a 18%. Pas trop. Et voilà. Bon. Allez. Petit cobra, faut qu'on avance cet objectif. J'aime bien les cobras, il y a une bonne surface pour un seul laser, c'est plus simple. Là, on le bourrine au canon, ça fait bien mal ça. Si je tape sur le dessus, il y a le générateur. Ça devrait abréger ses souffles. Ouf! Putain, moi, je crois que ça n'a pas été suffisant pour que ça soit détecté comme du tirallié. Enfin, moi que ce soit un ennemi, c'est allé tellement vite. Il est passé entre nous deux, le mec. Ah, c'est quand même vachement plus cool pour suivre une cible avec un Vulture. Allez, grillage! Alors, Target qu'est-ce destroyed. qu'on a d'autre? Un autre petit Under attack. cobra. Ah, il y en a un qui tire dessus, là, c'est qui? C'est lui. C'est un python, il a plus de bouclier. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Alors toi, je suis désolé, c'est comment l'empêcher. Ah, il y a la... mon Vulture qui fatigue, là, il y a la voix qui était toute déformée. Oula, on tape quand même un peu lui. On tape quand même un petit peu. On va y balancer de la cellule, oulala. Aïe aïe aïe. Heureusement j'ai bien fait de balancer ma cellule d'énergie là. Ça va monter ses boubous. Pas à 100% mais presque. Ça devrait suffire. Ouh là j'étais bien sur son gène. Je l'ai touché. Paillette. Voilà, ça c'est une bonne position. Pas mal. Ah, on va se booster un petit coup. Ah, il se retourne le salaud. Ça se retourne bien, un piton quand même.
20%, allez. Frameshift charge detected. Ouais. Là, non. Allez, ne pars pas. Allez, c'est bon, il pète là. Voilà. Hey, belle manœuvre, hein, j'étais content. Alors, Viper, Viper, Viper. Il me reste combien? Traquer zone de guerre. Plus qu'un. Allez. On se quittera là-dessus. Pour une petite reprise. Ça va. Bon, j'ai pas osé me mettre en monde ouvert. On fera ça la toute prochaine fois. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par faire un petit peu de multi, on peut en discuter. Envoyez-moi un message. Ça fait toujours plaisir de jouer à plusieurs. Évidemment, je pense que je ferai 2-3 sessions avec Negva, s'il le veut bien. Oula, je suis en train de causer et je suis en train de me faire défoncer pour la fin, c'est beau. Allez, cellules d'énergie, paillettes, tout le bordel. Et puis, je vais essayer de me bourriner ce putain de Viper pour terminer mon objectif. Et ils me font mal. Hein. Ah, je vais en plein dans sa face. Mais je suis à 3 contre 1 et ils me font extrêmement mal. Là, je vous le cache pas et vous le voyez d'ailleurs. Je suis en train de bouffer mes cellules énergétiques. Là, il y a deux potes qui arrivent. Ça va peut-être faire diversion. Oula, il me balance du rayon électrique de des familles là. Ouh, aïe, aïe. Et puis moi je booste n'importe comment. Voilà, il a pris 59%, mais il me faut juste une cible, c'est pas possible. Under attack. Oh là là. Target shields online. Voilà. J'en avais vraiment ras le cul, là, je suis désolé. Oh là là. Je me suis dit que j'avais fait une monstre connerie. C'était pas loin. Oh. Ah bah ça fait quand même plaisir de rejouer à Elite. Un peu tendu du slip sur la fin. J'ai fait mon objectif, j'espère que je vais pouvoir le valider pour l'objectif communautaire. Normalement oui. Hein. Vérifie juste un peu. Normalement, ça se met pas ici. Donc, je check juste. Non, je suis toujours à 24 000. Il va falloir que je rende la prime. Là, j'ai rien. Alors, voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver sur Elite. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire, tout ça, ça fera plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, soirée, etc. C'était DRK36 sur Autour d'Elite. Ciao, à bientôt.